Bonjour les jardiniers, je profite de ces quelques gouttes de pluie qui sont les bienvenues aujourd'hui jeudi 13 août pour introduire ma vidéo. Mais je vais vous parler d'une journée typique de vacances au mois d'août au jardin. Et en général, il ne pleut pas. Là, aujourd'hui, c'est simplement quelques gouttes. Allez, vu sur les poivrons. J'en ai cueilli un, vous trouverez la recette en fin de vidéo. Allez, ça fait du bien de voir cette pluie. Allez, à tout de suite, générique. Cocotte. Voilà, attendez. Je vais chercher Cotte, mais il faut qu'elle sorte. Là, on n'a pas trouvé Cotte. Allez, ma grande. Allez, faut que tu sortes. Tu manges. On va tout couver là. C'est fini. Allez, bon appétit. À tout à l'heure. Je ferme.
Donc, on dirait que ce sont des pommes de terre qui ont commencé à nouveau à germer. Je pense que c'est un pied que j'ai oublié et qui est reparti. Bon, je vais finir de ramasser. De toute façon, j'en avais d'autres pour midi, heureusement. J'en avais déjà ramassé pas mal avant. Bon, j'ai à peu près terminé. Donc la cueillette est bonne pour aujourd'hui. On va pouvoir se faire un bon plat pour midi. Bon, bah après le ramassage des pommes de terre qu'il va falloir que je trie aussi, eh bien je passe à l'écueillage des haricots. Ceux-là, je les coupe pas, les plats, où je les mets avec les autres aujourd'hui. Et voilà le résultat, 10 minutes plus tard, les haricots sont prêts. On va pouvoir passer en cuisine. Et voici les pommes de terre et les haricots du jardin. Voilà le repas de midi pris après la piscine. Allez, des bons haricots. Alors les pommes de terre ont été passées au gras de canard et les haricots juste avec un petit peu de beurre. Et voilà, deux belles assiettes.